Alors, l'intérêt de l'approche systémique dans l'accompagnement des migrants, il est, euh, à mon sens, évident euh, par rapport à la clinique d'aujourd'hui. C'est-à-dire euh, la clinique actuelle est une clinique globalisée, mondialisée, comme on dit dans le livre, hein, mobilité, migration. Euh, la clinique systémique, elle est confrontée donc à cette réalité d'un sujet qui est venu d'ailleurs, mais aussi qui est un sujet ben, mondialisé, parce qu'il en contact avec différentes cultures, pas que parce qu'il s'est déplacé physiquement, c'est-à-dire ce n'est pas qu'une clinique euh, qui concerne les personnes qui se sont déplacées physiquement avec les mobilités, les migrations, mais le sédentaire, il est aussi en contact avec d'autres personnes venues d'ailleurs, avec d'autres cultures. Et on a de plus en plus, cette, dans cette logique actuelle, qui est la logique de la digitalisation, la présence des outils numériques qui font que finalement, on observe... Des personnes qui vivent ici, ou qui vivent ici en France ou dans d'autres pays, qui n'ont pas migré elles-mêmes, mais qui sont au quotidien en contact avec un membre de leur famille qui a migré. Et qui participent au quotidien à cette vie de l'autre, qui n'est pas euh, ici physiquement, mais qui est ici quand même. Donc, euh, la, la question des frontières, elle est bien plus ténue maintenant il y a 20 ans ou il y a 30 ans, quand on parlait des migrations euh, d'il y a quelques années. Donc, ce livre, Mobilité, Migration, Repenser l'approche systémique à l'heure de la mondialisation, c'est vraiment cette idée que qu'on pense que la clinique, d'une manière générale, mais nous, moi et Maria Borxa, nous parlons à partir de la clinique systémique parce que c'est notre outil de travail, elle doit s'adapter à cette réalité nouvelle qui sont deux à notre sens, c'est-à-dire la première, c'est il y a de plus en plus de migrants, 250 millions dans le monde selon la Banque mondiale dans les années à venir 500 millions et ces personnes-là, elles sont en contact avec d'autres personnes grâce aux outils de communication numérique. Donc en fait les frontières du monde les frontières même de nos cabinets ne sont plus les mêmes donc pensez la question de la culture la place de la mobilité la place donc du de l'événement migratoire dans l'histoire des familles c'était déjà bah, une réalité à laquelle il fallait faire attention il y a dix ans j'ai écrit un livre euh, euh, sur cette question. Il y a quelques années, il y a quatre ans, un autre qui s'appelle euh, Le migrant et sa famille. Et je pense que ce livre, il vient bien compléter cette question, euh, la question de la migration telle qu'elle a été développée dans ce premier ouvrage euh, publié chez les ESF avec Odile Rivéron-Coulon. Et euh, ici, je pense que ce livre, il vient compléter la pensée autour de la prise en charge du migrant mais pas que le sujet migrant, mais le système de migration, c'est-à-dire que il y a celui qui se déplace physiquement et il y a la famille qui reste au pays, il y a les enfants et les petits-enfants qui naissent dans le pays d'accueil toutes ces personnes-là sont impliquées dans une migration qu'on pourrait imaginer individuelle mais qui en fait est relationnelle, systémique comment la migration vient impacter l'exercice de la parentalité euh, c'est extrêmement important quand même de penser que euh, la parentalité elle s'inscrit là aussi dans un tissu relationnel. c'est à dire que on est parent, quand on est aussi soutenu par nos règles, nos codes sociaux, familiaux aussi. Hein. Euh, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas d'école pour devenir parent, euh, c'est un métier qu'on n'apprend pas, euh, mais c'est un métier euh, duquel, si on dit ça comme ça, entre guillemets évidemment, euh, duquel on s'inspire beaucoup en fait. Nous n'avons pas eu d'école de parents, mais nous avons tous vu faire des parents. Et nous avons tous des représentations d'une parentalité, d'une manière dont on voudrait l'exercer, qui n'est pas toujours possible parce qu'on a affaire à un autre sujet qui est l'enfant, on a affaire aussi à l'autre personne avec laquelle on a ce projet de parentalité. Donc, on a quelquefois des idées bien précises sur comment faire parent, et quand la chose arrive, euh, euh, c'est pas tout à fait euh, comme on avait imaginé. La parentalité en contexte migratoire, elle est encore plus délicate dans le sens où le sujet ne peut pas compter sur euh, le tissu familial et relationnel et même éducatif, euh, euh, le support dans lequel euh, il pourrait euh, être inscrit s'il était resté dans son pays d'origine. Donc devenir parent en exil pose immédiatement la question de la transmission pose immédiatement la question aussi de la lignée, de l'inscription de cet enfant dans quelle famille. Alors là, tout ça est très complexe si on pense par exemple en couple mixte. Euh, si on pense par exemple en couple mixte avec un parent qui est autochtone et un parent qui est migrant. Un couple mixte avec euh, deux parents migrants dans un pays qui n'est pas le leur, un couple mixte. Enfin, vous voyez, tout, il y a plein de subtilités comme ça sur cette construction de couple qui fait que la parentalité va être tentée, va être tissée à partir de ces, de ces expériences de vie et de ces réalités conjointes, communes. Donc, dans ce livre, on aborde cette question à plusieurs niveaux, de manière très différente, dans un chapitre, par exemple, avec Gilbert Prégnaud où on parle des quatre S de la parentalité, soutien, sou sécurité, souplesse et sagesse, vous allez me dire, c'est vrai dans toutes les cultures. Bah ben oui, c'est vrai que pour être parent, faut cultiver ces quatre S-là. Néanmoins, dans le contexte migratoire, la question du, du soutien ou du support à la parentalité, du soutien à la parentalité, de la sécurité, euh, tout ça, ça va être quelquefois bien plus difficile à acquérir quand euh, on ne parle pas la langue du pays d'accueil, quand on est euh, dans une forme d'insécurité de vie, c'est-à-dire de statut administratif social, quand on est dans une insécurité de lieu, hein, de, de lieu de logement, euh, d'avenir, etc. Bah, vous me direz, tout ça est euh, le lot de la migration, certes. Mais euh, quand ça s'inscrit sur le plan relationnel, des relations précoces avec un enfant, de l'attachement précoce avec l'enfant, tout ça va euh, s'impliquer. Et donc, le choix de la langue, euh, la possibilité de voir la famille rester au pays. Donc il y a euh, la parentalité, c'est-à-dire devenir parent en exil est un enjeu, Majeur de la migration. Et donc, dans ce livre, on l'aborde peut-être pas d'une manière très classique, justement, parce que ce livre, l'idée, c'est qu'il soit un peu en patchwork entre nos expériences, moi et Maria Brocha, qui est une collègue avec laquelle je travaille depuis plusieurs années, et nous avons en commun cette préoccupation, en tout cas, nous sommes touchés par cette question de la migration, ben, déjà personnellement, mais aussi sur le plan clinique, c'est-à-dire qu'on entend, quand on, on Tend l'oreille, on entend chez les personnes qu'on accompagne dans la clinique, même si elles ne viennent pas euh, au cabinet, elles viennent pas en consultation pour une question liée à la migration, genre la, ma migration me fait souffrir elles viennent pour des questions que si on tend l'oreille, on va voir comment tout ça s'imbrique quand même, malgré tout, dans le parcours migratoire et dans l'histoire de la migration. Alors. Euh comment euh, on peut percevoir la migration dans les temps actuels entre ces migrations des femmes et les migrations des enfants ou des MNA, des mineurs non accompagnés, qui sont de plus en plus importantes. C'est-à-dire que les femmes, euh, c'est 46%, il me semble, en tout cas les chiffres sont dans le livre, 46% des migrants euh, à, qui arrivent en France sont des femmes. Donc ça veut dire que le nombre de migrations féminines depuis les années 90 a beaucoup augmenté, de manière donc très significative. Et puis les mineurs euh, non accompagnés, qui sont aussi un public fragile, on pourrait avoir le sentiment qu'en fait le migrant... Euh, qui brave les frontières, surtout si on pense une migration qui n'est pas une migration souhaitée par le pays qui va l'accueillir, serait l'adulte entre 20 et 40 ans, en pleine force de l'âge, avec toute l'énergie de l'homme qui peut braver. Euh, le, le monde et les civilisations, parce que souvent ces migrations-là, c'est des migrations où les personnes traversent plusieurs pays et rencontrent dif différentes cultures, langues et, et personnes. Euh, néanmoins, ce qu'on observe de plus en plus, c'est que euh, cette population se féminise et cette population, elle se infantilise, si on peut dire ça, c'est-à-dire qu'elle devient euh, aussi une population de mineurs qui sont, ben, comme on imagine très bien, Vulnérables, vulnérables, euh, mais, mais les hommes aussi sont vulnérables parce que si on pense la migration euh, clandestine, la migration quand les personnes se disent euh, je dois partir et c'est au-delà de la pulsion viatorique qui a la pulsion du voyage, c'est vraiment la pulsion de vie qui est en action parce que c'est des personnes qui sont menacées dans leur pays, qui sont en danger sur le plan physique. La migration des femmes, elle est très, très souvent lié à des violences vécues déjà dans la famille d'origine entre les excisions, les mariages forcés, les viols, la violence physique à l'intérieur de la maison et euh, la migration des ménas quand ce n'est pas un mandat familial, c'est-à-dire quelque chose qui s'inscrit dans une demande familiale de va et puis en honneur de ce de ce projet, en honneur de ce rôle de partir et de nous sauver, de nous aider, de, euh, quand ça s'inscrit pas dans, dans cette logique-là de justement d'extrême loyauté dans laquelle l'enfant est pris euh, comme celui qui peut euh, subvenir aux besoins de la famille, qui peut se sauver et peut-être sauver les siens, elle s'inscrit. Euh, dans un autre parcours, c'est celui des jeunes qui sont désarimés, qui sont assez distanciés de leur famille et peu inscrits euh, dans l'histoire d'une famille euh, structurée qui, euh, qui l'accompagne. Donc c'est des, des mineurs qui sont déjà dans les rues, qui sont déjà dans les rues dans leur pays et qui font des rencontres un peu fortuites bien sûr, avec pas toujours des gens bien intentionnés, parce qu'on sait aussi que ces personnes peuvent arriver en Europe par le trafic d'êtres humains. Donc, euh, c'est vrai que cette migration, elle se féminise si on pense à ce genre de migration, mais on peut penser aussi à la migration euh, mobilité professionnelle, où il y a aussi beaucoup plus de femmes qui arrivent dans le monde du travail et qui voyagent et qui se déplacent. Et puis, avec les familles recomposées, beaucoup plus d'enfants qui accompagnent leurs parents lors de ces déplacements migratoires. Toutes ces, toutes ces possibilités-là font que, oui, une attention particulière doit être accordée à la prise en charge des personnes venues d'ailleurs d'une manière générale, mais peut-être qu'effectivement, dans ce livre, on va avoir une, une attention privilégiée à la situation des femmes, parce qu'on va écrire d'ailleurs un chapitre avec Véronique euh, Durand sur... Euh, les violences de la migration, c'est-à-dire les violences que les femmes subissent déjà avant euh, la migration, qui peut-être mobilise et motive le projet migratoire, les violences du parcours migratoire, mais aussi les violences ici en terre d'accueil, c'est-à-dire entre la violence du parcours administratif, mais aussi les violences liées à la vulnérabilité, c'est-à-dire quand une femme ne peut pas se loger parce qu'elle ne relève plus d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile ou parce qu'elle euh, n'a pas eu l'asile en France, donc elle est euh, vulnérable, censée rentrer dans son pays, ce qui n'arrive que très rarement. Parce que si on est parti parce qu'on risque la, sa vie, retourner, là on est sûr de ne plus survivre. Hein, souvent les personnes disent ça. Et donc. Euh, euh, toutes ces différentes étapes de vie qui sont jauchées par la violence, elles vont être un, un peu décrites dans, dans un des chapitres. Et donc, c'est vrai que ça fait une clinique, quand même spécifique, particulière. C'est vrai que la migration, euh, c'est un bouleversement. On a beaucoup pensé la migration comme quelque chose de négatif pour les sujets, parce que euh, c'est vrai que c'est un stress. C'est un stress dans la découverte de, du tout nouveau, du, du tout qui est euh, inconnu, qui est étrangeté. Euh, néanmoins, l'idée de penser la migration aussi comme une opportunité, comme quelque chose qui a une opportunité mutuelle pour celui qui migre, mais aussi pour le pays qui accueille, pour les personnes qui ont la chance de rencontrer euh, quelqu'un de venu d'ailleurs, qui donc est quelqu'un à, à horizons multiples. C'est-à-dire, c'est quelqu'un quelqu devenu d'ailleurs, c'est quelqu'un qui voit des choses qu'on ne voit pas quand on, a... quand on est sédentaire. Et rien contre la sédentarisation. La sédentarisation, par contre, n'est plus la normalité. La, euh, les personnes venues d'ailleurs se mélangent avec les personnes d'ici qui ont a priori, qui sont a priori sédentaires, depuis combien de générations ben, on n'en sait rien, mais euh, cette, ce brassage, cette, ce tissage entre euh, personnes venues d'ailleurs et personnes euh, nées ici euh, depuis plusieurs générations on va imaginer ça, parce que pour moi euh, et pour euh, ma collègue Maria, la migration elle ne s'arrête pas à la personne que, qui a migré, la génération de la personne qui a migré la migration, c'est un mouvement qui implique plusieurs générations. Donc la question sur le transgénérationnel, comment, comment cette valise, comment cette histoire, elle se raconte sur le plan transgénérationnel, euh, ben, c'est bien entendu que les personnes elles, continuent à être touchées par ce mouvement-là. Je pense à des patients qui viennent et qui abordent la question de leurs grands-parents. Ils ne viennent pas en disant ⁇ J'ai un problème, ma grand-mère a migré euh, euh, du Portugal ou, euh, ou d'Espagne de, ou de, ⁇ Elles viennent avec une question d'aujourd'hui, bien présente et bien actuelle, qui fait un écho incroyable à la question migratoire de, de la grand-mère. Mais tout ça, ça se découvre quand on est dans un espace thérapeutique, mais ça se découvre aussi quand on accompagne quelqu'un de près. On n'a pas besoin d'être psychologue pour euh, entendre euh, l'histoire du sujet et entendre ce qu'il raconte dans cette histoire et l'impact de cette histoire aujourd'hui. C'est un livre euh, qui a été écrit par moi et Maria Boccia avec la concurrence de certains collègues pour certains chapitres qui ont été pour nous... Euh, vraiment fondamentaux. C'était vraiment très riche pour nous de justement ouvrir la perspective parce que le risque de rester que toutes les deux et d'écrire chacune de son côté ou d'écrire ensemble mais que toutes les deux, c'était de en fait se raconter une histoire qui est notre histoire et notre lecture de la migration. Donc le regard de ses collègues, le fait qu'on travaille ensemble sur des thèmes qui nous sont chers, c'était à la fois une garantie euh, d'ouverture, c'est-à-dire, euh, et une garantie par leurs compétences et leur, euh, euh, leur expérience de nous, de nous dire, euh, ben, voilà aussi ce qu'on peut apporter quand on s'ouvre, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, des choses qui sont, euh, voilà, peut-être des nouveautés, mais peut-être aussi des relectures d'une pensée. Donc, c'était vraiment un travail euh, de, de puzzle, de, de co-construction entre... Voilà, on a envie d'écrire sur ça, on a envie de travailler sur cette question, qui sont pas forcément des attendus. L'idée de ce livre, c'est aussi d'amener des choses qui sont peut-être un peu classiques, qu'on va retrouver dans la question migratoire, mais je trouve que le charme de ce livre, c'est ce sont les inattendus. C'est-à-dire que le lecteur, quand il, quand il le découvre au départ, il n'imagine pas. Euh, toute la, toute la richesse, enfin c'est pas modeste de dire ça, mais tout l'intérêt et des choses nouvelles qu'il va trouver dans cet ouvrage qui va permettre d'associer avec d'autres expériences migratoires, d'autres expériences de travail auprès des personnes venues d'ailleurs. Donc c'est l'idée de l'ouverture.